Je viens de tester Palworld au fait, alors tu le trouves comment toi? Ah oui, il y a le français, let's go! Bon après pour trouver des chars, il n'y a pas besoin vraiment de langue. Hein. Zoué. Alors ici c'est pareil, il faut trouver des chats, mais c'est dans le moins... C'est pas dans le même délire quoi. Oh putain, bah, ils sont vraiment bien cachés. Hein. Il y en a combien à trouver là? 100. Après il faut trouver des shérifs, des wanted. Oh mais frérot, ils sont cachés dans les fenêtres. Ils sont cachés dans les fenêtres, c'est des caches de bâtards quoi. Ok, alors vraiment, des fois je clique au pif, je trouve des trucs. Hein. Alors par contre, un chat, un succès, ça se prend. Let's go. Ouais, j'aime bien les succès Steam, moi. Tu peux y aller, bro. Je pense que l'année dernière, j'en ai débloqué des succès. Je sais pas s'ils vont refaire le rewind de Steam de ton compte. Ah, par contre, là, si c'est ça, frérot, ah, j'en ai des succès. Là. Ah, ouais, celui-là, il va aller vite, je crois. Celui-là risque d'aller très vite. Par contre, ils sont cachés dans le fond. Tu vois, ils sont cachés dans les mêmes couleurs et tout, c'est des bâtards. Hein. Là, il y en a un. 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 Alors, sur le putain, il était ultra visible, je l'ai pas vu. Moi, j'aime bien Palworld. J'y vais, je fais les petits donjons et tout. Je capture mes petits pales. C'est tranquille, écoute. C'est tranquille, pépouze. Il me manque 4 shérifs et 2 wanted. Après, j'ai pas parcouru toute la map encore. Ah vraiment, celui-là, je te l'assassine le jeu. Autant les chats très noirs sur fond blanc qui sont bien incrustés dans les trucs, je les vois pas. Autant ceux qui ont même pas de tri, je les vois très bien. Hein. Ah moi, je crois que j'ai des yeux inversés. Après, je dis ça, c'est le début. Hein. Là, je suis en train de t'enchaîner tous les chats. Et après, quand il va en rester 5, tu vois, je vais galérer à te les trouver. Là, je suis déjà à la moitié. Ah non, t'as, j'ai mal lu. Tu dis, je vais tester. C'est que tu l'as pas encore testé. Bah, si t'aimes le genre. Bah, je veux dire Pokémon, parce que voilà, ça ressemble, faut être honnête, ça ressemble vachement à un Pokémon. Si t'aimes le genre là, avec du farm, des donjons, bidule machin, en vrai, c'est sympa. Hein. Moi, j'aime bien. Pareil, quand je sais pas quoi faire, bah, je vais dessus. Je vais capturer des petits pales, je vais les faire travailler. Je capture des humains, je les revends, je vois pas le problème. Là, il manque quoi là? Il me manque un shérif. Where is the sheriff, bro? Alors vraiment, je te les aligne, les chats. Oh, j'aurais jamais été aussi vite à trouver des chats. C'est bon, le shérif, c'est fait, là. Il me reste 35 chats à trouver, quand même. Sur une map où j'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour 30 fois. On va rester dans notre logique de faire le tour du contour. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Là, il y a un chat. Des fois, ils sont bien cachés. Hein. Des fois, ils sont bien dans la masse. Bizarre qu'il n'y ait pas de chat dans...
dans la prison. Mais ça va, il n'y a pas d'interaction à faire, à ouvrir des portes ou quoi. Ah, tu vois les succès, comment ils défilent. Si vraiment tu veux te faire des succès gratos, c'est le genre de jeu qu'il te faut. Hein. Bon, je pense pas que dans le fond, il doit avoir des chats, parce que là, ce serait un peu abusé. Hein. Bon, dans le ciel, je pense pas qu'il y a des chats non plus. Là, il y a un chat. Là, il y a un chat. Alors, des fois, je me pose la question, c'est... Est-ce qu'au fur et à mesure, des chats n'apparaissent pas dans le tableau pour te forcer à faire tout le tour de la map, tu vois? Je me suis posé plusieurs fois cette question au fur et à mesure des jeux que j'ai fait. Et je vous avouerai que ça me reste en tête un peu. Pardon, j'étais parti sur une partie de The Finals. Non, je te disais, du coup, si t'aimes le genre de jeu Pokémon, farm et tout ça. J'ai pas encore essayé par l'ordre, justement. Je suis pas sûr d'y jouer longtemps, mais ça m'intrigue. En vrai, moi aussi, au départ, j'étais pas chouchou parce que je suis pas trop Pokémon, tu vois. Les jeux Pokémon, le dernier que j'ai joué, c'est Pokémon Jaune. Mais en vrai, je vais pas dire que ça passe le temps, mais tu t'accroches au final au jeu et t'y vas, tu fais les petits donjons, les petites grottes, tu récupères des pales, tu fais ta petite base, tu farmes, tu craftes. En vrai, ça passe le temps. Et je vais pas te dire que c'est addictif, mais pas loin, tu vois. Oui, à Skip, on peut y jouer à plusieurs. Ouais, ouais, hein, tu peux. Soit tu fais une, entre guillemets, partie solo, multijoueur, où les gens te rejoignent avec un code d'invitation. Ou soit, comme moi j'ai créé un serveur et des gens peuvent se connecter dessus et jouer, quoi. Mais tu peux jouer soit en solo, soit en multi avec d'autres gens, soit via Steam. Alors, il y a un problème avec entre le Game Pass et Steam, c'est qu'entre le Game Pass et Steam, ils n'ont pas la même version de jeu. Et du coup, si quelqu'un joue au Game Pass, il peut pas jouer avec quelqu'un sur Steam, tu vois. Alors, je sais pas si ça... Je pense pas que ça a été réglé dans les dernières mises à jour. Mais il y a ce problème-là. Je t'en dirai des nouvelles. Yes, ça marche, vas-y. Hein. Ça marche, ça marche. Hop. Faut que tu viennes en vogue de temps en temps. Bah, en vrai, je suis pris soit par les streams, soit par Valo. Donc, c'est un peu compliqué, mais t'inquiète. De toute façon, j'ai toujours le Discord, hein, t'inquiète pas. Je regarde, là, des fois, dans le Discord des Yakuza et tout. Hein. Je vois ce qui se dit. Bon, je vois plus trop grand-chose, hein, mais je vois ce qui se dit dans le truc des anciens. Là. Genre là ou là. Genre là, moi, je cherche des chats, tu vois. Mais en vrai, ouais, même pour Palworld, hein, si vous venez sur le serveur ou quoi. Moi, plus on est de fous, moins y a de riz, comme on dit. Eh, j'ai bientôt, il me reste 13 chats. Je te jure, j'ai l'impression que les chats, ils apparaissent au fur et à mesure du temps, quoi. Ah, oh, le bâtard. Oh, je vais pas le dire parce que, voilà, ça se fait pas. T'es un bâtard. Bon, il est où, mais très chiant, là. Attends, y'a pas un chat dans la botte de paille, là. Ce serait vla drôle, par contre. Ça se voit pas dans mes carreaux. T'as pas les affiches à trouver aussi? Bah si, si, bon, j'ai déjà les 5 en haut. Là, il me reste juste 13 chats qui se baladent sur la map. Ouf, je ne sais pas. Mais il y a 13 chats quelque part. Là, il y en a... Ah ouais, bah ils se baladent bien, moi je le dis. Hein. C'est pas tellement que je les vois pas, les bêtières. Y'a la botte de fin, ouais, j'ai regardé, y'a rien dedans. À
Après, tu peux te fier par rapport... s'il n'y a pas beaucoup de choses dans un endroit, il peut en avoir là, tu vois. C'est des techniques. Mais je t'avouerais que là... Là, ça commence à être compliqué. J'ai pas envie de... Le pire, c'est que j'en ai encore 11 à trouver. J'ai 10... 10 trucs pour trouver des chats. J'ai pas envie d'utiliser. Parce que... Voilà, quoi. Ça fait un peu triche. Mais si au bout d'un moment je trouve pas, grosse flemme, je vais l'utiliser. On est bâtard à bien les cacher avec les quasi mêmes couleurs et tout. Moi, je sais pas pourquoi depuis le début, le puits m'intrigue. Là, il y en a. Là, il y en a. En fait, je suis juste bigleux, quoi, c'est tout. Et ça, je le sais. Je sais déjà, ça. En fait, ils ont quasi la même nuance de couleur. Du coup, c'est chaud à aller voir. Il m'en reste 9 à trouver. Enfin, autant des fois, ils sont bien collés. Autant des fois, bah, y a rien, quoi. Je ne vois pas. Toi là, il n'y a rien ici. Toi là, tu peux te dire qu'il peut avoir un chat caché. Et le pire, c'est quand tu utilises un truc comme ça, enfin qu'au bout d'un moment, t'en as marre, tu utilises un truc comme ça, il te montre où est-ce qu'il est. Tu te dis putain, mais je suis vraiment con. Et c'est ce qui va se passer, hein. C'est ce qui va se passer. Alors soit c'est comme dans l'autre jeu d'avant, il nous montre exactement où est-ce qu'il est, ou soit il nous donne une zone. Ouais, c'est le jeu Trigger. Ouais, en fait, c'est toi, c'est chill comme jeu. Tu t'as juste à trouver des chats, mais après, tu t'en trouves plus. Tu pètes un plomb. Et c'est ce que j'allais dire. Soit ça, là, ça donne une zone. En fait, il va faire ça, il va faire un gros rond. Il va dire, il y a un chat dans la zone. Ou soit il te montre directement le chat. Et que ce soit l'un ou l'autre, dès que tu le trouves, tu dis, putain, mais il est là. Je suis vraiment con de ne pas avoir vu. Ouais, attends, on va essayer, regarde. Voilà, il y a un chat là. Frérot. Tu vois, il te met une zone. Bah là, il a mis une grosse flèche aussi, quoi. Mais tu vois le genre de truc. Tu vois le genre de bail, quoi. Tu te dis, putain, frérot, je suis passé 4 fois devant. Je l'ai pas vu. Là, il y en a un. Mais non, mais moi, je suis toujours dans l'optique de me dire, les chats, ils apparaissent au fur et à mesure. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Pour moi, frérot, tu passes devant, tu l'aurais vu avant. Et moi, 7. Je voudrais bien, moi, arriver jusqu'à 98. Et genre, après, utiliser des aides, mais là, je crois que ça va partir avant les aides. Ah, t'inquiète pas, je regarde bien le sol. Là, il y en a. Ça va partir sur les loupes. Non, ça raconte quoi du coup sur GTA RP? Faut bien le coy et Yakuza. Oh, ça me... Ça me fume de pas trouver, putain. Ça pue la merde. Ah. Dans quel sens? Bon bah je vais partir sur une aide à grosse flemme. Alors attention où est-ce qu'il va me sortir. Regarde là, voilà, il met des zones. Lui tu vois, il donne pas exactement. Il monte une grosse flèche qui arrive là, tranquillou. Réo, il est où? Ah il est là! Oh le bâtard! Attends, mais c'est abusé quoi. C'est abusatif. Vas-y, on va partir sur des trucs. Hein. C'est bon. Grosse flemme. L'or.
On a tous les verres. Tant pis, ah, c'est bon. J'ai assez donné. Là. En fait, la flèche. La flèche, tu donnes à peu près la position du truc. Là. Et en plus, c'est que des trucs on a regardé. Hein. Alors là, gros. Alors là. Galère de groupe, car plateau de jeu illégal instable. Un groupe aussi qui apprend à se connaître avec des nouveaux. Donc forcément, ben. J'ai rencontré Mi en Vox, car Akri l'a compliqué. Ouais, ça marche. Bah alors là j'ai pas un hein, frérot, il m'a montré un truc ici. Là j'ai pas. Tu le vois ici quelque part le choc? Alors le truc, la technique c'est que tu cliques partout. Ah bien qui va passer. Frérot je le vois pas. Je vais devoir changer de lunettes, je crois. Bah, t'es pas tout seul, gros. Putain. Oh, les bigleux de ouf. C'est aberrant, putain. Attends, je vais cliquer partout, il y en a bien un qui va sortir. Bah, frérot, il y a l'abus, là. On nous aurait menti? On va faire un autre en attendant. Attends, y a un truc que j'ai pas compris, quoi. J'ai pas compris, gros. On est d'accord, quand j'ai fait un truc dead, il me l'a montré là. Attends, il y a oui, il m'a compris.